Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton biz. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute. Dans cet épisode de Déclic, je reçois Maëlle Grix qui a tout simplement répondu à mon appel sur Instagram pour participer, partager son déclic. Je lui ai posé la question, peux-tu nous partager le déclic que tu as eu dans ta vie, qui a changé quelque chose et qui t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui? Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute! Hello, moi c'est Maëlle et ça fait maintenant presque plus d'un an et demi que je suis entrepreneur et je vais te raconter mon déclic. Alors, pour recontextualiser un peu, juste après le premier confinement, je cherchais un job en CDD ou en CDI, ça aurait été bien, en tant que CM, etc. Donc je trouve un petit job pas loin de chez moi, je me dis, bon, ça correspond pas à 100%, mais ça ferait une première expérience, ce sera bien. C'est un peu la désillusion, c'est-à-dire que ça correspond pas du tout à ce que j'imaginais. Et donc il y a un matin, mon patron vient. Il m'explique une nouvelle tâche que j'aurai à prendre en charge. Je vois le truc vraiment. j'ai les yeux qui s'écarquillent. C'est pas du tout ce que j'aime faire. Ça a un look d'un site des années 2000, d'une gestion de base de données, etc. J'ai horreur de ça. Et il finit de m'expliquer. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Je peux pas rester dans ce travail. Ça va pas le faire. Donc je le regarde et très sérieusement, je lui demande « je vais devoir faire ça souvent ou pas ?» Et il m'explique que oui, ce serait l'une de mes tâches principales. Et donc je lui ai dit très clairement « ça va pas le faire en fait ». Et donc je lui ai dit « je préfère m'arrêter là, mais pas que pour cette mission-là, pour tout le job en fait ». Et je lui ai dit « moi ça va pas le faire, je préfère m'arrêter là et je pars et je démissionne ce midi ». Donc c'était un peu rapide et c'est vrai que dit comme ça, ça fait très peur. Mais en fait, oui, ce travail, j'en pouvais plus. Le matin, j'y allais à reculons parce que je faisais pas des tâches qui me plaisaient, mais je me forçais à rester en me disant que ça allait changer au fur et à mesure des semaines, que quand j'aurais de nouvelles missions. Sauf que là, les nouvelles missions à qui arrivaient, ça allait pas du tout. Et moi, j'ai une maladie chronique et en fait, ce stress engendré, le fait de pas faire ce que j'aimais et de rester à un bureau assise toute la journée, c'était un enfer, quoi. Je rentrais chez moi, j'avais mal partout, qu'une envie de dormir. Je me réveillais, fallait que j'y retourne, mais j'avais déjà mal partout. Donc en fait, ça a été le moment où il m'a montré une mission et j'ai fait, c'est pas possible, faut que j'arrête maintenant. Donc j'ai décidé d'arrêter et je me suis barrée. Vraiment, je me suis barrée, je lui ai dit bah, je veux rester là le moins longtemps possible, donc si je peux me partir à midi, c'est parfait. Et j'ai appelé à ma mère et je lui ai dit tu peux venir me chercher s'il te plaît, parce que là c'est pas possible, j'ai fait quelque chose, je leur ai dit je me casse. Donc ça a été mon déclic. Et en fait, c'est le moment où j'ai réalisé que un job de bureau avec un patron qui me donnait des missions et devoir rester assise toute la journée avec mes douleurs, c'était pas possible. Juste, c'était impossible et inconcevable. Et après ça, je me suis juste dit que la meilleure solution, c'était de trouver soit un mi-temps, soit de travailler à mon compte, mais de trouver un moyen que ça se passe plus jamais comme ça et que j'ai pas à revivre ce moment où tu dois regarder droit dans les yeux ton patron et lui dire « bah non, en fait, je peux pas continuer, je me casse ». Donc voilà, ça a été mon déclic. Et aujourd'hui où j'en suis, je suis entrepreneur, je gère mon temps. Je gère mes douleurs, je gère mes missions et avec qui je travaille. Et il n'y a plus du tout de moments comme ça où j'ai envie de mourir le matin en me réveillant tellement je déteste ce que je fais, quoi.
Donc, je crois que ça a été la meilleure décision, la plus culottée peut-être, mais la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao !